Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce programme Mon expérience du dimanche avec l'apôtre Johnson et le docteur Lizzie Suleiman. Nous sommes ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries et nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche, le 21 août 2022, où nous avons découvert la grâce et les mystères du Seigneur dans sa parole au travers de son apôtre, l'apôtre Johnson Suleiman. Je suis et je reste votre correspondant en langue française. Quetabelis, restez scotché pendant que nous entrons dans le vif du sujet. Shalom, shalom à l'Éternel, Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire, car il nous donne toujours la parole qui est remplie de la révélation et qui vient de la bouche de son serviteur, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, et où le terme de ce culte était le chrétien profitable. Le chrétien profitable, qui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 15 au verset 30. Et vous devez comprendre qu'il est très important que lorsque vous adorez le Seigneur, que la différence soit claire, que plusieurs personnes puissent remarquer qu'il y a du profit, qu'il y a quelque chose de bien qui sort de votre adoration. Pour avoir plus de connaissances sur ce sujet, je demeure votre humble serviteur, Jeremiah Naoum. Demeurez connecté et à bientôt. Avant le début du message, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, comme d'habitude, nous a conduit dans un moment d'adoration. Bien-aimés, adorons le Seigneur avec son apôtre, l'apôtre Johnson Suleiman. I just want to praise your love. I lift my voice to sing. I love you. You are everything to me. Lift your hands up. Holy, holy, Lord God of mine, as we lift, as a token, token of our love, holy, holy, Jesus. Sing it one more time. Bless the Lord. Bless the Lord. Oh, my soul. Sing it now, choir. Oh, my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous donne cette prière qui est très capitale. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, je vais de force en force. Je vais de force en force. Je remonte de force en force. Prions ainsi dans le nom de Jésus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, as I pray, as I pray, oh Lord, oh Lord, I move
strength to strength. Open your mouth and turn that to prayer. I move from strength to strength. Akaparia Shada. Hasso pretelegesh prekosi palara dashaga yekuta ti latish ide de 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 Isa peroto boragash, Isa kara braga tara kata tata, Irasa koto koto koros, tata, Irasa koto koto koros, Erosa koto braga tila, Iragasa kara kata raga tara kata, Iragata kara kata kara kata kara kata kara kata, Raga kara kata kara kata kara kata kara kata kara kata kara kata, Zaparata shakata. In Jesus' name. Amen. Aujourd'hui, le 21 août 2022, l'apôtre Johnson Suleiman a rendu ministère encore, comme d'habitude, merveilleusement, sous le thème « Le chrétien profitable ». Et l'apôtre de la Résurrection nous parle d'abord et il dit que chaque talent a la capacité de produire 100% d'efficacité, c'est-à-dire, d'abord, rappelons-nous que l'homme de Dieu a parlé dans Matthieu chapitre 25, du verset 15 au verset 30. Nous voyons, c'est la parabole des talents. Et il a expliqué comment est-ce que le maître, le chef a donné des talents. Il a distribué des talents à ses ouvriers, à ses serviteurs. Et celui à qui on a donné 5 a multiplié. Celui à qui on a donné 2 a multiplié. Mais celui à qui on a remis un talent est allé enterrer son talent et après le testament qu'il a donné de son maître, quand on lui a questionné, n'était pas un bon testament. Okay. Et l'apôtre a expliqué comment celui-là a été rejeté, il a été jugé parce qu'il n'a pas eu un bon cœur, le cœur de reproduire. Maintenant, l'apôtre nous explique l'importance d'abord comprendre l'efficacité et l'utilité du talent que nous avons. En premier lieu, il a dit que chaque talent a la capacité de produire 100% de bénéfices. Comment est-ce que nous comprenons d'abord le fait des talents et la relation entre les chrétiens et les talents que Dieu a mis en chaque personne? Pour bien comprendre ce message, nous devons aller un peu en arrière et comprendre la parabole qui a été dite par Jésus sur la vigne et le vigneron. Et Jésus-Christ a été clair. Il dit que tout vigne qui porte des fruits, le Père l'arrose, l'inonde pour qu'il porte davantage de fruits. Et tout vigne qui refuse de porter le fruit, il l'arrache et il le jette au feu. Il sera coupé et jeté au feu. Donc si vous voulez être d'abord profitable, vous devez obligatoirement porter de fruits. Porter des fruits. Parce que vous devez comprendre que le Seigneur vous a déjà donné votre talent. Il y a quelque chose, il y a un dépôt qui est en vous. Il y a des capacités que le Seigneur a déjà mises en vous. Et ces capacités, vous pouvez les utiliser dans le royaume afin de porter du fruit. C'est sur cela d'abord que nous devons nous centrer d'abord. Okay. L'apôtre parle et il dit que ne soyez pas jaloux des personnes qui ont plus de talent que vous. Développez vos capacités et Dieu augmentera vos talents. Cela, il disait quand il expliquait que ça ne suffit pas seulement d'avoir un talent, il faut la capacité pour pouvoir gérer ce talent. Parce que nous avons vu, il a expliqué qu'à un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 2, à l'autre, il a donné 1. Ce n'est pas parce qu'il était un maître avare, ce n'est pas parce qu'il était un maître qui ne considérait pas ses serviteurs, c'est parce qu'il connaissait la capacité de chacun de ses serviteurs. C'est pour ça qu'il a donné 5, 2 et 1. Et l'apôtre dit qu'il ne faut pas regarder le talent des autres
ou bien envier des personnes en raison de leur talent, mais aussi de demander à Dieu et de considérer, de travailler sur sa capacité. Qu'est-ce qu'on comprend par sa capacité? C'est clair. D'abord, celui qui a reçu un talent doit comprendre qu'il a plus de privilèges de multiplier ses talents. Parce qu'il rentre dans une compétition. Une autre personne a reçu 10 et peut-être celui qui a reçu 10 peut se mettre à l'aise et être tranquille. Mais celui qui a reçu un seul talent a la capacité d'évoluer, a la capacité de travailler. Nous devons comprendre d'abord que tout dépend d'abord de votre perception et de votre dynamisme et de votre engagement à vouloir fructifier le talent que le Seigneur vous a donné. Si vous êtes prêt à le faire, celui qui vous a donné le talent est capable de vous donner la capacité ou d'étendre vos capacités pour y arriver. Et l'apôtre continue et il dit que la raison pour laquelle vous devez être prudent dans la vie est que tout le monde n'a pas une seconde chance. Maintenant, il explique maintenant où ce serviteur a été jugé. Il y a certaines personnes qui croient qu'ils peuvent vivre n'importe comment, ils peuvent faire du n'importe quoi, ils peuvent mener leur vie comme ils veulent, en se disant qu'ils auront une autre chance. L'apôtre dit c'est risqué parce qu'il y a certaines personnes que vous pouvez regarder, ces personnes sont dans la débauche, ces personnes sont dans une sale vie et ils se disent qu'ils vont changer et que Dieu va les aider. Et tu copies ces personnes sans savoir que l'ennemi va détruire ta vie. Maintenant, je veux que nous donnons un conseil à nos chers téléspectateurs. Qui sont encore, ceux-là qui sont encore en train de mener une vie du n'importe comment, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes par rapport à ce que l'apôtre a dit aujourd'hui? D'abord, il faut être clair. La Bible déclare que puisqu'il est saint, vous devez être saint. Donc, c'est une obligation. Celui qui vous a donné le talent ou les capacités est un Dieu saint. Et si vous voulez réellement accomplir de grandes œuvres, vous devez être connecté à lui parce que c'est lui qui détient le plan architectural de l'accomplissement de votre destinée. Et si vous n'êtes pas saint, vous êtes automatiquement déconnecté de lui et exposé à la destruction. Ceux qui sont encore dans l'iniquité, soyons sincères avec eux, ils n'ont pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Le Seigneur est saint. Et si vous voulez marcher avec lui, la première étape, c'est la sainteté. Ça, c'est clair. L'apôtre, maintenant, il dit que si nous voulons être des chrétiens profitables, il y a certaines choses qu'il faut faire. Il nous a donné 4 points solides. La première des choses qu'il a dit, qu'il faut vivre une vie de service. L'homme de Dieu a mis l'emphase sur le service, en sommaire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'importance du service dans la vie de chaque enfant de Dieu? Le niveau le plus élevé dans le règne spirituel s'obtient par le service. Ce n'est ni par la semence, ni par la prière, ni par le jeûne. C'est par le service. Lorsque vous servez Dieu, et vous êtes qualifié facilement à une dimension élevée. Et toute personne qui ne sert pas Dieu n'appartient pas au royaume. Parce que lorsque vous appartenez à une maison, et vous dites que vous êtes fils de la maison, vous devez vous lever très tôt, arranger la maison, mettre chaque chose à sa place. Si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, on doit premièrement vérifier votre état de service. Si vous n'avez pas un état de service, vous n'appartenez pas au royaume. Vous êtes au dehors où il y a les grincements dedans. Donc, quand nous parlons du service, c'est le canal pour s'identifier en tant que fils de Dieu, pour s'identifier en tant que serviteur, pour s'identifier en tant qu'homme dynamique dans le royaume. Et si vous voulez vivre une grande transformation dans votre vie, quelle que soit la bataille que vous avez, si vous êtes toujours à votre poste, le prophète dit, il dit que je serai à mon poste et je veillerai pour entendre ce que dira l'Éternel. Mm. C'est au poste du service que le Seigneur vous parle. Mm. C'est en ce poste du service qu'il vous donne la direction. C'est au service que lorsque vous voulez dévier, le bon berger vous ramène à l'ordre. Mais quand vous ne servez pas, quand vous voulez dévier, il n'a aucun intérêt à vous ramener à l'ordre. Et l'apôtre dit deuxièmement, chers téléspectateurs, qu'il faut changer nos désavantages à avantages. Comment est-ce qu'on explique ce point? Parce que l'apôtre a dit des choses concernant la manière dont certaines personnes prennent des situations qui les arrivent.
et la manière dont il faut gérer ces situations-là. J'aime beaucoup l'apôtre Paul qui a compris réellement comment fonctionne le royaume de Dieu au point de transformer sa souffrance et transformer sa souffrance en une célébration. Transformer sa souffrance et était prêt à souffrir pour le nom du Christ. Nous devons comprendre que dans ce royaume, ce qui vous donne les galons, c'est la souffrance. Ça, c'est clair. Et quand vous comprenez que c'est comme ça, ça fonctionne, maintenant, vous allez transformer chaque situation en avantage pour obtenir des galons, pour obtenir des dimensions, pour évoluer dans le règne spirituel. D'abord, pour conclure, nous allons parler du troisième et du quatrième point. L'apôtre a dit qu'en troisième, lui, il a dit qu'il faut avoir un bon cœur. Il a parlé de l'état du cœur. Et en finalité, il a parlé d'éviter l'oisiveté, l'isolation. Comment est-ce qu'on comprend ces deux points rapidement? D'abord, j'aimerais dire clairement que l'état de cœur est la première chose sur laquelle l'Éternel se base pour distribuer d'abord les talents. Si vous avez un cœur pur, un cœur d'humilité, un cœur simple, vous avez un cœur compréhensif, un cœur soumis, le Seigneur vous donnera de grands talents et vous allez réussir. Parce qu'avec votre état de cœur, vous serez attentif au maître et vous allez recevoir des ordres. Maintenant, quand nous parlons de l'oisivité ou de l'isolement, nous devons comprendre que c'est l'un des démons qui détient cette génération en captivité. Plusieurs personnes sont dans ces chaînes et ont besoin réellement de délivrance. Vous allez voir plusieurs personnes qui sont paresseux, par exemple. Ils sont paresseux non parce que il veut être paresseux, parce qu'il y a une force satanique, il y a un démon de la paresse qui les détient dans la paresse. Vous voyez des gens qui veulent toujours être seuls, quelque part, à ne rien faire. Vous allez comprendre qu'il y a un démon qui veut les isoler de la société afin de polluer leur mentalité et les détruire. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, bien-aimés, nous avons compris, ce message était vraiment rempli. Le chrétien profitable. L'apôtre a dit... Pour être un chrétien profitable, d'abord, il faut vous plonger pleinement dans le service. Dans le service, la première des choses. Le service est primordial. Après ça, changer, transformer vos désavantages. Vos désavantages, vos mauvaises situations et conditions en avantages, en situation favorable. Et troisièmement, avoir un cœur qui ressemble au cœur de Dieu. Et finalement, éviter l'isolement. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse pendant que nous prenons ces prières qui sont venues après ce message profond, ce message puissant venu de l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Après ce message merveilleux, l'apôtre de la restauration nous donne encore trois points de prière, mais nous allons prendre juste un point de prière à cause du temps. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, donne-moi un cœur de chair et change-moi par ta parole. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my father. As I begin to pray, give me a good heart, the heart of flesh, the heart that is in line with your word. Open your mouth and pray. Give me a good heart, the heart of flesh, the heart that's in line with your word. Re
In Jesus' name. Yeah. Après cette prière merveilleuse, l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman, a commencé à prophétiser et à dévoiler les mystères dans la vie des membres de cette église. Bien-aimés, nous avons vu ce cas extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que vous allez comprendre la profondeur de ce cas prophétique. Cette jeune dame était sous un joug, bien-aimés, une malédiction qui allait des années de génération en génération. Sa grand-mère avait reçu une malédiction à cause de son infidélité avec la personne, son boss, beaucoup des années. Et la femme de cette personne a placé une malédiction sur les filles de cette famille qui a retouché la mère de cette fille et aussi sa vie. L'apôtre a révélé cela et a dévoilé le mystère de cette malédiction. Bien-aimée, regardez comment le Seigneur a délivré cette jeune fille qui était sous l'emprise de la malédiction. I'm seeing somebody. I'm seeing a young lady. I'm hearing a son named like, is he a Noah, a Norma, or a Noah? I'm seeing. And you have a child. Somebody got you pregnant. His name is Joshua. He's a pastor in Benin. You what? Your elder sister? Where is she? Oh, my God. Oh, she's here? Yes. Ah. Your elder sister, are you the one I spoke about? Listen. Who's the person's name? Pastor Joshua. Where is he? In Benin. Where's the child? She's in children's session. Is your child? Come. Halle, 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 halle. Look at me. I want to pray for you. You see, January is your month. January is a special month in your life. Yes. It's a very special month. That's your month. Yes. That's your birth month. Yes. January. Yes, huh? Yes, sir. Let me pray for you. Let me pray for you. You see, whatever is happening to you now, I want you to know. Don't cry. Don't be weak. Don't be discouraged. It's not you. It's an inherited battle. It's not you. And why I need to pray for you is because what you are a good girl. You are a disciplined girl. But how you fell into this today, you don't know. Listen to me. It's not you. It's a family pattern. As in the spirit, I'm seeing your mother. Are you following me? Yes, daddy. It's the mistake of your mother you are suffering from. Yes, sir. Because if I ask you now, where is your father? You don't know. I don't know, my daddy. You don't know your father. Yes, sir. And if you ask your mother, say, where is my father? Your mother will say, don't be angry. Yes, sir. Forgive me. What? Eh? Your mother will say, forgive me. I can't talk. Forgive me. Just forgive me. Forgive me. And listen to me. It is not even your mother's fault. It is our own mother. Listen. Your mother. Abaratake. Your mother. Look at this. Your mother got to a point when she looked at your life. She looked at your life. She got to a point looking at your life. Looking at what was happening, her heart was heavy. She said, no, 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 no. There's something I found out in the life of my own mother. I need to let my children know so that they can break it. As soon as she made up her mind to talk, they covered her mouth. Your mother became dumb. She cannot talk. She cannot walk. Now they cover her mouth. Sometimes when she sees you, it's like she wants to say something, but she cannot talk. Because they know that if she tells the secret, you all are going to be free. I will tell you the secret now. I will tell you. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. They cannot cover my own mouth. Hey, hey. And also, look at this. I see myself in the spirit. I see your mother in a particular house. These are people that are sick. Are you following me? Yes, sir. What's your mom's name? Evance. Evance. Yes, sir. Evance. Listen to me. In your life, never, ever feel depressed because your story is changing. I saw school.
I saw you out. Yes, I saw something happen. You came out of school. Yes, you couldn't continue. Yes, you want to go back? Yes, sir. You want to go back? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. You want to go back to school? Yes, sir. I'll help you go back to school. Okay. Hallelujah. Jesus. Listen to me. I saw in the realm of the spirit pictures that were heard. Okay? I saw your grandmother in the realm of the spirit. I saw her working for somebody. I saw her working for somebody. And I saw her, oh Lord, having something to do with the husband of the person she was working for. And I saw that man pronouncing a curse. The woman, rather, pronouncing a curse. That for this that she has done, all her daughters, her granddaughters, our great-granddaughters, our great-great-granddaughters, none of them will ever be useful in life. Your mother found out late. Your mother wants to tell you that this is a curse that was pronounced. They covered her mouth. But as I lay my hands on you now, I stand in the name of Jesus to break the curse. 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 In the name of Jesus. Gloire à Dieu bien-aimé. En conclusion, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Nous sommes bénis, nous avons adoré, nous avons loué, nous avons célébré le Seigneur pour ce qu'il fait. Nous avons aussi écouté beaucoup de témoignages bien-aimés que le Seigneur fait ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour la semaine des adolescents qui vient de s'achever et pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Bien-aimés, rejoignez-nous encore. Pendant que l'apôtre de la restauration voyage, l'apôtre est en train de voyager, il se dirige vers la Zambie où il y aura un moment, un programme de puissance, un programme de réveil. Et aussi la mère dynamique qui sera en France, qui sera en Allemagne, qui sera aussi en Italie. Bien aimé, c'est une semaine remplie d'impact. Suivez-nous sur nos chaînes YouTube et Facebook, Apôtre Johnson Suleiman en français, et aimez nos vidéos, partagez, commentez et aussi cliquez sur M et il faut souscrire à nos chaînes, notre chaîne YouTube et Facebook. Que le Seigneur nous bénisse pendant que nous nous trouvons encore dans ce moment de bénédiction ici à l'église pour dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et n'oubliez pas, cette semaine, nous avons le moment, la nuit du feu et des miracles. La nuit de feu et de miracles avec l'apôtre Johnson Suleiman. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.